Salut tout le monde. Désolé, depuis quelques semaines, on fait veiller le monde pas mal, mais ce soir, c'est une soirée spéciale, bien sûr, avant que je cède le micro à mon ami Frank, bien sûr, et on fera les salutations d'usage lorsque ce sera prescrit. Mais je veux vous expliquer un petit peu qu'est-ce que sera le déroulement de cette soirée-là, parce que c'est un after show, parce que c'est un crachoir hors série, donc je veux juste vous expliquer que on va dire des affaires qui vont avoir l'air weird parce que là, on est dans une dualité, n'est-ce pas? Il y a du monde qui nous regarde et il y a des gens qui vont nous écouter. Donc, on va sommer les gens qui écoutent même pendant que vous nous regardez. Fait que ça va être un peu weird, mais c'est pas grave, on va se faire du fun parce que moi, je suis claqué raide et j'ai bien hâte que mon enfant quitte la résidence familiale. OK, ton film, c'est mince. Ouais, c'est ça. Fait que on est déjà en enregistrement. Fait que vous allez entendre des affaires qui vont concerner le podcast. Faites-vous-en pas avec ça, restez avec nous autres. Et il y aura deux fois ces instructions-là, mais je veux quand même céder la parole à mon chum CC Suburban parce que il veut expliquer quelque chose que je pense qui est important ce soir. Alors, c'est à toi avant qu'on aille à Frank. Là. Quelque chose d'essentiel. Parce que ce soir, c'est un spécial du MAGOG. Vous aurez remarqué qu'il n'y a qu'un seul... Ben, en fait, les trois autres sont à 100 000 $ chaque. Fait qu'il n'y a personne qui va les prendre. Il y a juste un autocollant qui fonctionne. Et c'est mon nouveau préféré de la vie, celui-ci. Es-tu parti? Non. Parce que sur cette scène-là, ils sont pas là, les autocollants. Ah, ça, c'est possible, ça, mais je les mettrai après. De toute façon, j'ai bien l'impression que le monde va se gâter en masse. Et ça, c'est ça. Sur la grosse scène, il n'y aura que des faces de Duhem, et ça va être drôle en crise. Ouais, ça, c'est clair, c'est clair. Fin. Merci. Ben, merci beaucoup. Fait que je cède à l'instant l'encoute ou l'antenne ou whatever à notre ami Frank. Parce que, voilà, on tombe en mode enregistrement de podcast, les amis. Alors, c'est à toi, mon cher François. Hey, calice, c'est parti, parce que je suis seul là, il est là. Fuck. Quand tu veux. C'est le crachoir. Ben là. C'est le crachoir hors série numéro 2 du MAGOGRI. On fait un épisode spécial parce que, un, les élections s'en viennent. J'entends déjà des autocollants. Je pense que ça va être quelque chose. Parce que, évidemment, on présente ça sur tout ce qui est parce que on va présenter un film qui est l'œuvre de dizaines et de dizaines d'heures de labeur de notre Marthe nationale. Crime, Martin, t'as travaillé fort là-dessus. Je suis arrivé, puis jusqu'à la dernière minute avant le show, tu travaillais encore là-dessus. C'est un gros... C'est ton premier long-métrage, ça. Si je On peut dire ça d'une certaine façon. Oui, je vais faire d'une longue histoire courte parce que j'ai hâte qu'on présente ça aux gens. Mais c'est le fruit du travail, pas juste de moi-même, mais d'un paquet de monde qui ont contribué de plein de façons à créer cette... Je me permets de dire cette œuvre-là parce que on vous avait averti, là, on est un petit peu en retard parce qu'on a voulu faire que ça soit sa coche. Mais oui, c'est beaucoup de travail et je tiens à. Je vais le faire à plusieurs reprises, mais Nick Dénommé qui demande est-ce aussi bon que Callback? Non, c'est même pas proche. écoute. Mais non. C'est dans le moins 8, moins 9. Ouais, c'est ça. Mais c'est le fruit du travail de plein de monde qui ont travaillé dans l'ombre, qui ont archivé un paquet d'affaires depuis le début de l'année. Et que là, on va être en mesure. Moi, j'ai juste été l'espèce d'assembleur de leur travail, dans le fond. Vous allez voir le générique de toute façon, puis je vais avoir des remerciements quand même plus formels à faire après ça. Mais oui, les du MAGOGRI, et comme je me plais à le dire, bien sûr, dans un dodo finit les bozos,
Et je pense que c'est le timing peut pas être meilleur pour vous présenter ça, mais je le réitère une dernière fois, c'est le fruit du travail de bien du monde. Vous allez les voir passer, il va y avoir un générique, mais je veux leur dire merci et je vais leur redire, c'est clair. Sinon, ben écoute, moi j'ai juste hâte, comme je disais tantôt, c'est pas si inventé que ça. J'ai hâte que le bébé quitte le nid familial. Mais tu parles peut-être trop vite, hein, parce que peut-être que demain, ça va être au pouvoir, les beaux os. On ne sait jamais. Ça existe des surprises. Mais en tout cas, j'espère qu'on n'aura pas ce genre de surprise-là. Pour ceux qui nous écoutent en version podcast, sachez qu'on va présenter un montage qui est très, très visuel. Hein? C'est très, très visuel. Donc, on va vous inviter à aller voir ça sur Touski. Ça va être disponible. Et peut-être même sur d'autres plateformes, si j'ai bien compris. Mais une fois que vous aurez vu le montage, le reste du show sera beaucoup plus de sens. Évidemment, dans l'épisode audio, je vais monter ça de façon sensible à ce fait-là. C'est-à-dire que je ne vous mettrai pas la musique du montage tout le long avec pas d'image. Mais une fois que vous aurez vu le montage, le reste de cet épisode que vous pourrez mettre sur pause fera beaucoup plus de sens, évidemment. Ben de l'allure. Et là, si tu me permets, Frank, je veux vraiment pas prendre le contrôle, mais écoute, je suis un peu fébrile, je dois l'avouer, parce que est venu maintenant le moment auquel j'ai pensé beaucoup cette semaine, parce que si tu permets, ça va être sans plus tarder que... Peut-être expliquer aux gens qui vont écouter la version podcast qu'on va tout faire pour pas que vous entendiez trop de trop de Spring, de Warner Brothers, je sais pas quoi. Là. Mais voilà, donc si tu me permets, Frank. Oh, ah ben tiens, voilà, le bleuet bionique veut s'exprimer. Juste pour remercier les gens qui ont déjà donné des bits, on est bientôt en direction de la gare numéro 2 et il y a aussi des resubs, des subs, je les nommerai pas tous parce que j'en ai raté quelques-uns, mais un gros merci à tout ce beau monde. Okay. Et je te laisse utiliser ta phrase préférée. Ouais, mais j'ai une question avant parce qu'on n'est pas loin d'un sticker party. Qu'est-ce qui va arriver s'il y a un sticker party pendant le show? Il va y avoir juste des Eric Duhem, des Spring, puis on verra plus l'émission. Il arrivera ce qui arrivera. OK, parfait. C'est bon. Ça va être pour ceux qui nous écoutent en version podcast, et si vous ne comprenez pas le jargon que notre bleuet vient d'exprimer, c'est parce que vous n'êtes peut-être pas familier avec notre plateforme sur Twitch qui s'appelle Touski TV. Allez voir ça, on a du contenu en masse. C'est nouveau de quelques mois, mais c'est encore plus intense. On peut dire que la programmation est en train de s'étoffer solide, et c'est pour ça aussi que les épisodes du Crachoir sont diffusés en visuel là, si vous voulez voir notre grosse face, et surtout profiter du long métrage. Hey, attendez un peu, deux secondes, les boys. Propane. Oui, c'est ça, on va le régler avant. Voilà. Et si vous me permettez, je vais utiliser ma phrase d'usage. Place à la duémagogerie. Il y avait de l'ouvrage là-dedans. La grosse job, entre autres débouché, mais Colin, fallait tout attacher ça, mettre ça sur une palette, mettre du strapping, puis shipper ça, puis c'est ça que t'as fait toute la semaine. Ouais. Là, je veux juste régler quelque chose pour ceux qui se poseraient la question. C'est en train de s'uploader sur YouTube, soyez sans crainte, il n'y aura pas de propane, puis il n'y aura pas de switchage d'écran, puis tout le kit, là. C'est évident que là, un montage, tu sais, diffuser un montage avec trois personnes dans un stream, avec une tierce personne qui fait la diffusion, c'est normal qu'il y ait quelques petits glitchs, mais soyez sans crainte, l'intégrale sera disponible. C'est en train, en fait, là, je l'ai parti pendant. Fait qu'on est où, là? On doit être prêt. Ah, tiens, le traitement de la HD est en cours, fait que je vais aller mettre ça. Je pense que ça va se promener assez vite. Ouais, j'espère que ça va se promener, mais je veux remercier une couple de personnes, vous les avez vues au générique, si tu me permets, Frank. Je veux évidemment dire, ben toi, la trame sonore a eu des super bons commentaires, puis écoute, la trame sonore, j'ai rien eu à faire avec ça, j'ai juste mis des fades. Tes sélections étaient très on point. Le moins que je pouvais faire. Ben, puis je veux dire merci, bien sûr, à notre chum François Mercier, qui a fait l'infographie, l'animation en ouverture, et
Je veux remercier. Il y a quelqu'un que j'ai oublié, en fait. C'est toujours le même, hein? On oublie tout le temps quelqu'un quand on veut pas. Je veux dire merci, en fait. Comment il s'appelait déjà ta boire? Je veux dire merci à Cici. C'est pas Genghis Khan, mais tu sais, le Khan méchant là, dans Star Trek. Là. Tous les montages de Duhem Show que vous avez vus, là, ça, c'est pas de moi, c'est de cette personne-là. Je veux lui dire un gros merci. Je veux dire merci aux Illuminés du Québec, dont on a utilisé certains extraits. Mort tout court, sortons les radios poubelles. Il y en a d'autres aussi. Hey, 1h16 de montage, là, il y a du stock. C'est sûr que je peux pas donner le crédit à tout le monde. Mais évidemment, les gens que je dois remercier, ils se reconnaissent. Si, Khan, merci beaucoup. Les gens que je dois remercier, ils se reconnaissent. Ils demeurent dans l'ombre, ils travaillent comme des fous à toute heure du jour, toute heure de la nuit, pour archiver tout le contenu qu'on considère pertinent pour éventuellement peut-être être utilisé. Là. C'est sûr qu'on va le prendre. Ces gens-là se reconnaissent, je leur dis merci. C'est à eux que revient le crédit de ce très volumineux montage. Un petit peu aussi à Éric Duhem, parce que rarement on a un politicien aussi généreux en bourde, en pied dans la bouche, puis en candidat à Couche-Édouard pour vrai, là, un qui pisse, l'autre qui se chicane avec sa TV, tu sais, ça... Ah, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens, tu sais, c'est... Tu sais, il essaie de se détacher des complotistes, mais Chris, Je vais te donner quelques chiffres, Frank, parce que j'ai fait de l'inventaire. Fait qu'il y a 125 circonscriptions au Québec. Non, allons-y à l'envers. Il y a 16 régions administratives. Il y en a 10 dans lesquels on a trouvé des candidats qu'on pourrait considérer comme étant... Puis notre montage, il n'est pas parfait, là. Vous en avez vu d'autres, puis tout ça. On est allé avec ce qu'on avait. Il y en a 10 sur les 16 régions administratives qui comptent certains candidats conspis, selon notre appréciation à nous autres, OK? Sur 125 circonscriptions, il y en a 23 qui en a dedans. C'est plus que 10 %, là. C'est pas 12, là. C'est 23, OK? Et... Sans contredit, aucune offense envers les gens de la Montérégie, mais la Montérégie, c'est la région absolument championne. De la sauce. Absolument. Sur 20 circonscriptions qui se trouvent en Montérégie, il y en a 6 dans lesquelles on a trouvé des commentaires qui étaient de nature conspitoyenne. Fait que merci à tout le monde. Merci à vous autres aussi. Vous avez été super gentils pendant la diffusion. Et ben voilà, un énorme merci. Merci à ces gens-là. C'est... Les gens qui ont fait tout l'archivage de ça, c'est à eux que revient le crédit. Et ce sont des vigilantes. Ils demeurent dans l'ombre. On allume la lumière sur le top du building, puis ils se présentent, puis ils sont tout le temps là. Ben, félicitations, Martin. Je pense que tout le monde, les commentaires, c'est assez unanime, là. Puis je félicite aussi tout le monde d'avoir quand même enduré ça, parce que même oui. Si c'est monté bien fait, la musique, les montages, c'est beau. C'est quand même rough un peu là, de voir la scène québécoise politique d'aujourd'hui, comment on est rendu bas, mais c'est symptomatique de l'époque dans laquelle on vit, qui est grandement influencé, on va dire, par les États-Unis, parce que c'est le petit Trump des pauvres, c'est notre petit Trump wish à nous autres, là, avec son mur, puis avec son populisme, ouais. Tout ça. Mais, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, quand il s'est lancé en politique, on se disait, ah, il va être bon, parce que, tu sais... Ah, ça n'a pas de sens. Il est habitué, c'est un bon communicateur. Après ça, on s'est dit, il est pourri, ça n'a pas d'allure. Oui. C'est ce qu'il dit, ça n'a pas de maudit... Mais quand même, il a réussi à aller chercher certains pourcentages à date dans les sondages. On va pouvoir le vérifier au vote. Mais on dirait qu'il a été bon dans le choix d'être pourri. Ouais, non. Puis aller chercher la petite... ceux que certains de ces candidats appellent la majorité, si eux, moi, je trouve qu'ils sont juste une petite gang puis ils gueulent fort. Là, je sais pas comment on peut inverser ça. Ouais, puis je veux régler quelque chose aussi, si tu me permets. C'est que, tu sais, ouais. Je vois beaucoup de commentaires autant sur Ménage dimanche que dans le clavardage ce soir puis tout ça. Regardez, là. Nous autres, on n'a pas la prétention, on fait des jokes, là. On n'a pas la prétention de vous dire qu'après les élections, ça disparaît. Là. On le sait qu'il va en avoir encore. On prend ça une bouchée à fouet, nous autres. Là. On n'est pas en train d'essayer de vous faire avaler que le 4 au matin, qu'Éric Duhem ait un siège 2-0 ou peu importe. On n'est pas en train de vous dire que cette mouvance-là n'existera plus. Là. Puis je le prends pas personnel, mais je vois beaucoup de gens mentionner ça. Mais non, on le sait, on est avec non. Vous autres, là. Regarde. Puis on veut pas vous dire pour qui voter.
dire pour non, qui non, n'a pas du voté. Tout. Ce qu'on vous dit là, c'est que si vous votez PCQ, vous votez pour ça. C'est ça, exactement. L'autre affaire, il y a des gens qui posent des questions. Pourquoi on l'a pas fait avec les autres partis? Excuse-moi, Martin, pourquoi c'est pas avec les autres partis? Ben, ils sont pas aussi le fun. Il y a pas eu assez de stock. Ah non, puis ils sont pas aussi le fun. Non, c'est ça. C'est. L'autre question qui revient souvent aussi, c'est que j'ai vu ce soir, puis que à plusieurs reprises. Non, on n'a pas trouvé de choses vraiment comme majeures relativement à la Beauce. On le sait, là, tu sais, on part un peu du principe sans tomber dans les préjugés crasses, mais tu sais, on tombe du principe qu'on se dit que la majorité des gens qui se sont présentés ont peut-être des propensions vers la chose. Mais je vous le dis, là, on a une équipe de fin limier, puis il n'y a rien sorti de la Beauce de majeur suffisamment pour que ça fasse la coupure de ce montage-là. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, puis ça veut pas dire qu'ils ne sont pas, mais on n'a pas eu rien de suffisamment majeur, je pense que notre ami Burban. Ouais, le Bleuet veut s'exprimer. Ouais, ben l'autre chose que j'ai vu passer, tu sais, plus en Montérégie qu'en Beauce, mais il faut établir quelque chose. En Montérégie, il y a quoi, 20 circonscriptions? Ouais. Il y en a 6 qu'on a repéré du conspi. En Beauce, je pense que c'est 4 ou 5. Chaudière-Appalaches. Ouais, non, c'est sûr. Toute proportion gardée, il y a de moins de monde. Y a moins de... Même si on en trouve 3, puis là, tu sais, on n'a pas fait ça en pourcentage. S'il y en a 3 sur 6, c'est 50% en Beauce, mais en quantité, c'est 6, c'est la Montérégie. Ouais, ouais, mais il y a assurément, puis juste parce que j'ai été l'espèce de ramancheur de ça, tu sais, j'ai tout mis ensemble pour essayer que ça ait un fil conducteur le plus possible. Mais même moi, là, qui suis ça de proche, puis je suis pas le seul, là, il y a plein de monde, puis vous autres aussi, puis les gens qui nous regardent, puis d'autres pages, je suis assommé, là, sans joke, du paquet de conneries qui s'est dit. Sérieusement, là, il y en a qui ressortent du lot, là, mais il y en a une couple là-dedans, c'est hallucinant, là. Anne-Billy, dans les commentaires, un très bon point. Après les élections, Duhaime va les flusher les uns après les autres. Il va prendre 4 ans à se monter une équipe pour les élections. Je pense ça, moi aussi. Oui, ouais, oui, c'est sûr, parce que il s'est présenté sur le tard. Il a investi la chefferie du parti un peu sur le tard. Le parti n'existait presque pas avant son arrivée. Fait qu'il a fallu... Moi, je continue de le dire. C'est qu'il a bâti ce parti-là, mais des fois, quand tu bâtis vite, t'as pas le temps d'aller chercher les meilleurs matériaux. Fait que tu prends ce qui traîne là, de la bouette puis du foin, tu fais tenir ça à peu près, tu sais, juste pour dire que ça passe un premier hiver. Mais éventuellement, il va essayer d'étoffer ça, puis j'imagine de donner un petit peu de calibre à son parti, parce que... Colin, moi, je continue de le dire. Je continue d'avoir la même prétention qu'au début. Je pense que, oui, tu shootes pour la... Tu shootes pour la lune, puis si tu manques la cible, tu vas te retrouver dans les étoiles. OK, là, tu y vas pour le mieux, tu sais. Hope for the best. Mais je continue de penser que son réel objectif, c'est d'obtenir un siège à l'Assemblée nationale. Puis là, il va pouvoir faire son show de boucan puis commencer à être la garnotte dans le running shoe de tout le monde. C'est ça que je pense qu'il va. Mais il avait compris depuis le début, ça, parce que si vous regardez le nombre de pancartes électorales de Duhaime dans toutes les circonscriptions, il l'a compris dès le début. C'est la carte qu'il a jouée, c'est lui. Oui, ouais. Mais c'est le seul qui est capable de s'exprimer un peu. Fait que c'est certain que dans la tête de l'électeur, il va voter Duhaime, peu importe le poteau du parti conservateur qui est dans son coin, parce que il y a une vedette à ce parti-là, là, puis c'est lui. Puis les autres candidats, moins ils parlent, mieux c'est pour le parti. Puis moins on les remarque, mieux c'est aussi. Fait que tu sais, ils sont là. Tu sais, l'expression poteau s'applique plus que jamais. Là, ils sont là pour tenir la pancarte d'Éric. Puis faut que vous votiez pour moi, mais c'est pour Éric que vous votez. Ben ouais, Éric, ben oui, que vous c'est voyez clair. Là, tu sais, sur Internet là. Ben ouais, c'est clair. Puis tu sais, il y a eu des moments absolument magiques là, évidemment dans cette campagne là. Tu sais, plus récemment, il y a tout le panel de tout le monde en parle qui s'est esclaffé. Il y a eu le pancarte gate, il y a eu les autres partis en ont eu des affaires, puis il y a eu le pamphlet gate avec QS, tout ça. Sauf que regarde, c'est comme je dis, je le répète, c'est peut-être que 1h16 à fil l'un de l'autre, c'est un peu débilisant là, mais il reste que côté contenu, tu sais. Puis propos à coucher dehors,
Il n'y a personne qui touche à Éric Duhaime en 2021. Excuse, en 2022. Il n'y a personne qui y touche. C'est même pas proche. Dans l'histoire récente du Québec, j'ai jamais vu autant de candidats ridicules dans un parti. Puis voir un parti obtenir un, bon, c'est pas un gros pourcentage, mais un aussi fort pourcentage par rapport au contenu puis au représentant ridicule de ce parti-là, tu sais. Puis ça, c'est le phénomène influenceur, parce qu'Éric Duhaime, c'est un influenceur sur Internet, OK? C'est ça, c'est sa nouvelle carrière, là, sa nouvelle vocation. Puis c'est le même phénomène qu'avec Trump, mais en plus petit, en plus cheap. Je dirais pas en plus ridicule, là, parce que Trump est quand même très ridicule. Oui, là, quand vraiment. Il boit du désinfectant puis tout ça. Tu sais, c'est là que je fais la parenthèse, c'est là que c'était peur un peu aux États-Unis, parce que ils ont eu comme président quelqu'un qui aurait pu être un candidat ridicule de Duhaime. Tu sais, oh, mais tu sais, l'affaire de boire du désinfectant, c'est du stock de style candidat de Duhaime. Mais Duhaime ne serait pas assez cave pour dire ça. Mais bon. Mais je sais pas si tu te rappelles de ça. C'est la même stratégie. Je sais pas si tu te rappelles de ça, mais pendant la pandémie, il y avait eu. Je me souviens pas. Je me demande si c'est pas ByteDish ou quelque chose. En tout cas, un site web là, qui est spécialisé là-dedans, là, les cotes, là, puis tout ça, puis les reels, puis les stories d'affaires à coucher dehors. Il y avait un journaliste d'enquête qui avait répertorié une affaire comme, écoute, là, c'était des milliers d'affirmations de la part de Donald Trump qui étaient fausses, là, qui étaient avérées fausses. Je pense que c'était quelque chose comme 11 par jour. Là, c'était granularisé au quotidien, puis c'était... il me semble que c'est 11, ça se peut que je me trompe, mais... 7 ou 11, une affaire la même. Affirmation fausse ou ridicule. Là, Non, non, c'est spécial. Que ce soit des mensonges ou des propos couchés dehors, mais il y a. Mais l'important, c'était d'être constamment là, puis d'être. Maxime Bernier a essayé de faire ça, mais on dirait qu'il n'y a pas assez de caves au Canada pour. Ben oui, c'est ça. Maxime Bernier, il pourrait passer le balai au PCQ. Vas-y, Suburban. Tu non, mais là, j'ai entendu un nom parce que là, j'étais en train de remonter mes affaires, puis là, j'ai entendu un mot qui est magique à mes oreilles. Je m'excuse. Ouais. Duhaime, on va donner. Duhaime est beaucoup plus intelligent et plus fin stratège que ce gros tata. Là. Frank, si tu me permets, parce que évidemment, on fera pas. Il est quand même déjà tard, puis on remercie le monde de rester avec nous autres. Mais on va quand même juste faire un survol rapide. On en parlera dans le prochain. J'en parlerai dans le prochain épisode du Crachoir, parce qu'évidemment, il y avait la manifestation hier dans l'Assomption, puis toutes les histoires qu'on a vues, là. Des centaines de lives et des lives de lives et des lives de lives de lives, là. Excuse, des lives. Ils ont fait des lives. Oui, oui. Mais je veux juste régler une affaire, OK? Parce qu'on avait des sources très, très pertinentes, très de confiance qui étaient sur place. Puis là, on a entendu des chiffres circuler. On a entendu 30 000, on a entendu 50 000. Il y avait 1500 personnes là-bas, là. OK? On réglait ça tout de suite, là. OK? Puis mettons la personne en question, ce qui n'est pas le cas, mais mettons que je ne ferais pas confiance. OK? On va dire 2000. Tiens. OK? On n'est pas à 10 000 ni à 30 000. Ben non, même pas proche, là. C'est complètement ridicule. De toute façon, tu sais, c'est même plus surprenant. C'est même plus drôle quand les exagérations d'estimation de foule des manifs de conspies. Parce que là, vous l'avez trop fait, cette joke-là, les conspies. On s'y attend, puis vous exagérez à peu près tout le temps, à peu près dans la même mesure, là, tu sais, fois 100, là, fois 10. Ouais, genre, non, c'est souvent dans ces eaux-là, t'as raison. Ouais, ouais. Puis là, moi, une des affaires qui me fait vraiment capoter, là, que je trouve super trippant, là, c'est... Parce que là, ils sont tous en feu, là, tu sais, les conspirationnistes notoires. Puis ils pensent qu'ils vont gagner demain. Ouais, non, mais c'est pas ça. Ben, oui, là, mais c'est pas ça mon point. Mon point, c'est que moi, je capote bien raide. On vous a fait passer un extrait dans le dernier Rafter Show que Frank était là, au cours duquel on entendait Disco Dan Pilon mentionner le fait que Duhaime devait prendre ses distances parce que c'est un fin stratège, mais qu'il était avec eux autres, puis tout le kit. Ben, imagine-toi donc, un matin, il a fait un live.
Puis lui a la prétention de dire que la raison, une des raisons pour lesquelles il a atteint un plateau de genre 60 000 membres au PCQ, c'est grâce à lui et Samuel Grenier. C'est capoté, là. C'est compliqué. Je veux dire, je suis tout à ça, tu sais, c'est OK. Ouais, c'est ça, OK. Bon. C'est puis là, tu sais, je regardais hier, j'étais encore en montage, puis j'avais une diffusion sur tout ce qui était vrai, de d'autres choses, puis tout le kit. Puis je regardais parce que, tu sais, nos fins limiers ramassaient des lives, puis tu sais, regardaient ça, donnaient des comptes rendus, puis tout le kit. Tu sais, dans toute la journée d'hier, là, de 9h le matin à 19h le soir, donc 10h, c'est 54 lives qu'on a répertoriés qui ne concernaient que cet événement-là, man. 54! Ouais, puis dans ce cas-là, moi, je serais d'accord avec eux, je ferais fois 100 pour les avec les chiffres, là, tu sais. J'en ai vu un petit paquet. De bourrettes, là, tu sais. Ouais, mais c'est probablement une personne sur 4 ou 5 qui a un téléphone dans les mains dans ces événements. Ouais, ouais. Mais par contre, ce que je tiens à dire, et ça, c'est ça a été ma première réaction quand on m'a parlé de ça, c'est que ça leur a pris 2 ans, les boys. 2 ans, là. Peut-être un petit peu moins que ça. À finalement comprendre que c'était eux autres qui devaient faire la LMM. Parce que hier, tu avais un panel qui n'était pas sur place, qui hijackait des lives, comme on faisait dans LMM. Ils hijackaient des lives, puis ils étaient tous comme en studio. Tu avais Amélie Poul, tu avais, écoute, là, tu avais toutes les. Tu avais Yann Rochdy en bretelle, tu avais Sylvain Laforêt, tu avais. Tu as eu, écoute, là, le gratin, mon vieux. Puis tout ce qu'ils faisaient, c'est me mérer, puis aller diffuser des lives. Ça leur a pris 2 ans avant de figurer à la recette de faire des LMM. Je comprends. mais à force de vous écouter, ils ont fini par comprendre. Ah, ah oui, mais les farfadets aussi ont compris, tu sais, la marche, mettons que c'était 20 minutes de marche, là, eux autres, on ne marchera pas, on va mettre notre autobus en avant des bureaux, puis on va attendre que le monde arrive. Ils n'ont pas marché, eux autres. Ben non. Attendu que la foule se prosterne devant l'autobus. De toute façon, il paraît que Marde Rochdy n'est pas capable de marcher plus que 14 minutes. Fait que je ne sais pas c'est combien de temps. Là, il fait des push-ups. Arrêtez, là. Il t'apprête à faire un extreme makeover de bretelles. Mais lui, c'est un homme, hein? Lui, c'est un homme. Lui, pisse de boîte. Ouais, c'est clair. Fait que, tu sais, encore une fois, tu sais, 2 ans plus tard, à l'avant-veille d'une élection cruciale, importante, qui a beaucoup de choses qui sont, tu sais, qui, comment dire, lourdes de sens comme élection, puis on a tout un. Ben. Ils font la même affaire, ils s'en vont se lamenter quelque part qu'ils devraient même pas avoir d'affaires là, c'est-à-dire un CHSLD, et ils nous bullshit sur le nombre de personnes qui étaient là. Tu sais, tu t'attendrais peut-être que, tu sais, à un moment donné, je ne sais pas, là, tu sais, il y a quelque chose qui allume, une petite lumière, tu sais, un globe qui accroche le fil, là, dans le socket. Non. Non. 2 ans plus tard, c'est la même affaire, puis là, le 4 puis le 5, puis ils vont se remettre de ça, puis là, ça va être encore des manifs. Garde. Les manifs à date pour les conspis, là, c'est pas compliqué à vous faire l'image. Là. C'est la même affaire que broyer après un arbitre au hockey. T'as-tu déjà vu, toi, un arbitre renverser une décision dans NHL? Ben non, tu sais, puis bon. Un arbitre peut pas saper lui-même sa propre autorité, puis il s'en fout un peu d'avoir raison, ce qu'il veut, c'est le dernier mot. Ben, c'est pas mal ça, puis en tout cas, fait que... un certain animateur c'est, de... Ouais, c'est pas très original, puis c'est pas... Tu sais, à un moment donné, là, shit's getting old, là, tu sais, c'est comme... Trouver d'autres choses ou je sais pas, moi. Peut-être retournez-vous-en chez vous puis reprenez une vie active. Là, vous arrêtez pas de dire, hey, 2 ans plus tard, les statistiques le permettent de le faire puis tout le kit. Puis il y en a là-dedans qui trouvent le culot de faire des lives puis de dire, enfin, c'est grâce à nous autres. Et un de ceux-là, Frank, sais-tu c'est qui? C'est Maxime Bernier. Ah, je pense à toi, non? Oui, je m'en souviens. Non, pas la poule. Mais... mais oui, je l'ai vu passer, là, tu sais,
S'attribuer du mérite comme ça, c'est complètement ridicule. C'est comme dire chialer contre le soleil, puis une fois qu'il se couche rendu le soir, c'est grâce à moi! Ben ouais, c'est ça. C'est ça. C'est débile. On l'a répété plein de fois, c'est leur club social. Ils se sont fait des amis dans ces événements-là. Puis là, j'ai rien contre les campings, mais tu sais, c'est les gens qui se retrouvent le 8 mai au camping, puis qui disent « Ah, comment a été ton hiver? » Puis là, ils se font des petits feux de camp ensemble, puis ils font chauffer des mouches mollos, puis ils sont contents, puis ils vont jouer. Des mouches mollos. Non, mais moi, j'imagine tout s'appeler, tu sais, la semaine qui était supposée en avoir une manif. « Hey, tu préparais ton couleur, qu'est-ce que tu fais, toi, samedi? Hey, ça fait longtemps que je t'ai pas... » Regarde, c'est pas dur, là. On en a une, nous autres aussi, une communauté. On a passé 2 ans sans se voir, puis on s'est vus cet été. On était de même! Ben oui. Sauf que, regarde, on le fait pas à tous les fins de semaine, puis on va pas jammer des pompes, des autoroutes, esti! C'est pas le centre de notre vie à personne, je pense, là, qui est assez intense. Ben non! Pour sa vie. Puis, tu sais, c'est... Et d'ailleurs, et personne va leur enlever ça, leur communauté, là. Puis ils sont bons pour l'entretenir. Au lendemain de la défaite manifeste de, ou en tout cas, très, très probable du PCQ, qui sera sûrement pas dans l'opposition officielle, encore moins le pouvoir. J'en doute fort. Ben, ils vont tous bander, ils vont tous se rassembler autour de la CAQ a triché, puis ils ont fucké les votes, puis les crayons blonds, puis imagine de mignon. S'il y avait des bons résultats, ce qui arrivera sûrement pas, ben ils se réuniraient, ils se rassembleraient autour des bons résultats pour fêter. Mais ce qui est encore mieux pour eux autres, c'est que si comme ils vont perdre, c'est qu'ils vont se mettre ensemble pour pouvoir se remettre à leur passe-temps favori, c'est-à-dire inventer, croire et propager des théories de conspiration comme quoi la CAQ va avoir fait tricher les votes, pareil comme Biden, comme ils disent. Puis tu sais, c'est le narratif conspi qui va s'appliquer. Et puis, ça va être ça. Je veux dire, oui, le mouvement va survivre. Peu importe ce qui se passe, que ça aille bien, que ça aille mal, c'est écrit dans le miel. Je vais vous le dire, là, les boys, parce que je pense qu'on est rendu pas mal là. En date du 2 octobre, sur Québec 125, la projection de siège et de vote. Je commence par la projection de siège. La CAQ 92, le Parti libéral du Québec 21, Québec solidaire 9, le PQ 3 et le PCQ 0. Ils ont acheté le sondage! Et la marge d'erreur, là, pour être honnête, là, dans les chiffres qu'on donne, là, c'est pour la CAQ, c'est entre 77 et 102. Pour le Parti libéral, c'est entre 14 et 26, QS 5 et 15, PQ 1 et 11 et PCQ 0 et 4. Projection du vote. La marge d'erreur dans le premier cas, c'est-à-dire la CAQ, c'est 39 % avec plus ou moins 5. Le reste, c'est tout plus ou moins 3. Parti libéral, 16. PQ, 15. QS, 15. Et le PCQ ferme la marche avec 14. Il n'y a pas d'indication au sujet de Oignon National ni au sujet de l'Union fait la farce. Ah ben là, Colin, comment il s'appelle, Georges? Ouais, puis... J'ai fait une entrevue dans une des stations. Ouais, c'est ça. Là, j'ai cours aujourd'hui, là, tu sais, il a pu étaler toute son imbécilité, puis tout ça, tu sais, s'il cherchait un moment, tu sais, pour montrer au plus de gens possible, ce qui est pas seulement familier avec les réseaux sociaux, qu'il existe ce parti-là, puis que c'est un parti de marde, puis que le chef de ça, ou peu importe, là, c'est le seul et unique gars là-dedans. C'est un énergumène puis un hurluberlu, et il l'a fait là plus que jamais. Là, pour vrai, ça, vous allez sûrement voir ça passer sur les réseaux sociaux, mais c'est une entrevue très, très étrange, presque épeurant, étrange. Tu te dis, voyons que c'est... En tout cas, moi, je crois que je te coupe. Invité, là, mais je veux juste faire un clin d'œil à 80s New Wave Lover. Moi, j'ai catch ton jeu de mots. OK. Ben, moi, je sais pas s'il y en a qui vont vouloir catcher ce que je m'apprête à dire, parce que à l'heure actuelle, c'est-à-dire en date du 2 octobre, selon Québec 125, Éric Duhaime ne passera pas dans Chauveau. La CAQ est à 43 % et le PCQ à 36. C'est triché d'avance! L'autre chiffre qui a changé depuis la dernière semaine, tu parlais de 39 % du vote pour la CAQ. Au début de la semaine, c'était 37 %.
Fait que ça veut dire que ça a monté. Puis mon autre grande théorie là-dessus, c'est que les gens aiment voter pour les gagnants. Oh ouais. Puis, ayant entendu ces derniers sondages-là, ces derniers résultats-là, ça va probablement être plus que 39% parce que les gens, ils aiment ça avoir l'impression d'avoir gagné leurs élections. Oui. Non, ben oui. Puis, tu sais, moi, j'appelle ça le syndrome. On en jasait hier. Je vais faire une cheap plug, mais on était en compagnie de toute la communauté du Deep Steak hier dans une session privée. Puis, on jasait justement. Puis, vous doutez bien de quoi qu'on a parlé. Un, j'ai trippé parce que j'ai eu droit à des interventions super le fun, super cool, toujours dans le respect, dans la civilité. De un. Puis, de deux, ben. Tu sais, c'est tout le monde est d'accord que c'est une des comment m'a dit ça là, une des élections les plus fucked up qu'on aura jamais vues là. C'est sans joke. Sauf que ce que je leur expliquais, c'est que je disais, ils appellent ça le syndrome de l'isoloir. T'sais. Bon, là, puis mettons, là, t'es à une semaine, puis t'es pas mal certain, mais t'es pas 100% sûr. Tu lis encore les journaux, tu regardes encore qu'est-ce qui se passe. Quand t'arrives dans l'isoloir, là, c'est là que tu votes. C'est pas avant. C'est pas y allant. C'est pas en même rang que tes chums. C'est quand t'es tout seul avec le papier, le bulletin puis le crayon à l'encre. Le plomb. À l'encre. Le crayon feu. Parce que le crayon plomb, ils vont l'effacer puis ils vont donner le vote à la CAQ. Fait que quand t'arrives à ce moment-là, c'est là vraiment que la réelle décision se prend. Tu sais, mettons, tu penchais plus. Il y en a qui vont revenir au PQ. Il y en a qui pensaient peut-être aller avec la CAQ, vont aller avec QS. C'est là que ça se passe. Et c'est pas pour rien que Duhem faisait des pieds puis des mains puis qu'il disait à tout le monde, essayer d'en convaincre un aujourd'hui ou une aujourd'hui, c'est le crunch time. Puis demain, toute la journée, ça va être le crunch time. Fait que j'ai bien hâte à demain parce qu'on va avoir une estifie de grosse soirée aussi demain parce que ça va être la soirée électorale, tout ce qui est TV. Et écoute, ça va être capoté. Je vais avoir une question pour vous autres. Moi, mon moment préféré, je pense, de la campagne à date, c'est le bout du crayon. Parce que c'est bon, la théorie, c'est ridicule, puis c'était même prévisible. Mais ce que j'ai adoré de ça, c'est la réaction d'Éric Duhem qui se veut être un aveu que les conspirationnistes sont dans sa gang. Parce que c'est le seul qui a pris la peine de dire aux électeurs, non, écrivez pas ça avec des stylos. Il faut faire avec le crayon qu'ils vous fournissent, là, gang de cave, là. Tu sais, quand vous allez voter pour moi, amenez pas votre marquette puis un marqueur jaune puis, c'est le seul qui a ressenti le besoin, de faire cette précision-là parce qu'il sait que les caves sont dans sa base. Constituent sa base électorale. Là, fait que pour moi, ça, c'est le plus bel aveu d'Éric Duhem, comme quoi il est le chef du parti conspirationniste du Québec. Vous autres, c'est quoi vos moments préférés, mettons? Juste pour renchérir là-dessus, tu sais, c'est les mêmes qui pensent qu'il va y avoir des machines Dominion qui vont mal compter les votes. C'est les mêmes qui parlent du crayon de plomb. Puis le DGAQ a partagé un article. Puis je vais juste lire des highlights, c'est assez sympathique. L'utilisation du crayon de plomb pour voter. En résumé, t'sais, apprenez pourquoi la loi électorale prévoit l'utilisation d'un crayon de plomb dans les bureaux de vote. Lorsque vous allez voter, le personnel électoral vous fournit un crayon de plomb précis, approuvé par Élections Québec, blablabla. OK, pourquoi? Sa mine réduit le risque de poussière de plomb qui pourrait marquer le bulletin de vote ailleurs. Si ça fait ça, ton vote risque d'être annulé. Un crayon de plomb sans gomme vous empêche d'effacer votre marque et de la poser ailleurs. Le crayon de plomb ne peut pas couler et marquer votre bulletin de vote à plus d'un endroit. Sans ça, il va être disqualifié. Puisque l'ensemble des électrices et des électeurs utilisent le même type de crayon, c'est impossible de savoir pour qui une personne a voté. Fin. C'est pour ça qu'on utilise des crayons de plomb. Les commentaires, mon aimant me colle au bras. Pourquoi?
juste laver un petit peu. Ouais, c'est ça. Tu voyais à toutes les fois, tu voyais. Tu voyais à toutes les fois, tu voyais du monde. Hey, je comprends pas. Il y a des 30 sous qui collent après moi. Lave-toi, esti. Lave-toi, esti. T'es qui, dégueulasse? Quand t'es assez collant pour que ton change colle sur toi, c'est le temps d'enlever une petite couche de sébum. Mais tu sais, James Randi, qui est un militant contre la désinformation puis toutes les espèces de charlatans, quand il arrive du monde comme Magnet Man là, qui se collait des cuillères puis des affaires en métal, James Randi, il a une fondation, je me rappelle plus exactement c'est quoi le nom, là, Educational, whatever. Il offre, je pense que c'est comme 10 000 ou 100 000, en tout cas un gros montant d'argent à quiconque peut prouver quoi que ce soit de surnaturel. Puis quand il a pogné ce genre d'énergumène-là avec du métal qui le colle, j'ai dit, OK, c'est cool, mais si c'est magnétique, on pourrait leur faire en mettant de la peau de la poudre pour bébé, de talc, sur ta peau, là, tu sais, c'est le talc, va pas changer rien au magnétisme. Évidemment, quand t'en mets, il y a plus rien qui tient parce que t'es sec. C'est vrai. Est-ce que tu peux le faire sous la douche? Bon, c'est juste ça. C'est juste être sale. Martin, ton moment préféré de la campagne? Eh, shit, il y en a tellement. Moi, je pense que ça serait le crescendo qui a mené à sa déclaration, qui était visiblement nerveuse, un peu... on aurait dit qu'elle attendait trop ce moment-là, puis que sa chaîne a débarqué quand il s'est présenté. C'est à tout le monde en parle quand il a dit que si tu votais pour la CAQ, la pandémie serait finie. Je trouve que ça... Comment dire, ça... Non, tu vas peut-être pour la CAQ, la pandémie sera pas finie. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est selon, là. Mais moi, j'ai vraiment trouvé ça... tu sais, c'est pas pour rien que je l'ai appelé le duet magogue, parce que je pense que, tu sais, c'est cousu de démagogie, souvent, les choses qu'il affirme. Tu sais, à un moment donné, il est allé dire, tu sais... tasser du revers de la main le travail des travailleurs de la santé, des travailleuses de la santé, du personnel soignant, des préposés aux bénéficiaires, tout le monde qui supporte ce système-là à bout de bras en disant, ben là, c'est ça, on sait bien, hein, là, Legault, tu sais, si vous votez pour lui, il va élever les mesures sanitaires parce que là, il veut que vous votez pour lui, tu sais, en crachant, dans le fond, sur le travail qu'un peu tout le monde a fait, puis sur les sacrifices que la population a fait parce que on en voit la preuve. C'est clair pour moi qu'il a passé à gratte dans les conspitoyens et conspitoyennes. Et là, ben regarde, les chiffres le démontrent. Là. C'est le pourcentage qu'il obtient. C'est ça. C'est ça qu'il visait. C'est ça qu'il y a eu. En faisant ça, Eric, t'exclus des gens qui auraient pu être à droite, mais genre trop raisonnables pour s'afficher. Voilà. Mais ça aussi, hein, il y a... Je suis curieux de voir, tu sais, il va y avoir des orphelins de ça, là, quoique. En fait, il aurait dû, je pense, attaquer s'il avait été plus raisonnable, s'il avait enlevé le conspirationnisme, les affaires couche-doir, le populisme, le mur, les niaiseries, les imitations de Donald Trump, il aurait peut-être pu, en accent sur l'économie, la droite économique, il aurait pu peut-être miner, aller gruger un peu la base électorale de la CAQ, mais non, il a choisi les conspis. Fait que, ben, il y en a pas tant que ça. Fait que, il est pogné que ça. Je te coupe deux secondes, Frank, parce que je veux juste dire aux gens, s'il y en a qui sont arrivés un petit peu plus tard ou quoi que ce soit, la vidéo, en fait, des duemagogueries intégrale est présentement sur YouTube. Je viens d'en faire l'annonce dans le clavardage. Ça va être publié un peu partout. Ça va être disponible en rediffusion aussi. Fait que si vous l'avez, voulez le voir à tête reposée, c'est le genre d'affaire. Je te le disais moi-même en finissant. C'est le genre d'affaire, tu veux revoir une couple de fois parce qu'il y a tellement de stock que c'est sûr qu'il y en a que tu as passé droite. Fait que si vous voulez aller voir ça, ben gênez-vous pas. Ne serait-ce que pour saluer le travail très ardu que les contributeurs et contributrices ont fait, ont fait en sorte que on puisse arriver. Je suis plus capable, je suis brûlé. En sorte qu'on puisse vous présenter ce superbe montage. Voilà. Je pense qu'il est temps qu'on te donne un petit break. Je pense que tu l'as mérité, des heures et des heures de travail de montage. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est beaucoup
beaucoup, beaucoup plus long monter une vidéo, que vous le savez déjà, que de le présenter pour 5 minutes. Ça peut aller jusqu'à 45 minutes d'ouvrage. Là, et plus. Ben non, la règle du pouce, c'est vraiment 1 minute, 1 heure. Ouais. 1 minute, 1 heure? Ouais. Ouais. Fait que ça a duré beaucoup de minutes, fait que beaucoup d'heures de travail. Fait que t'imagines-tu si les gens m'avaient pas aidé en archivant tout ça, le temps que ça aurait pris, ça aurait été 4 fois pire. Ah, c'est bien, rajoute la recherche. Non, mais ça, on a des débouchés assez solides dans l'équipe. Puis, ouais, moi aussi, je les remercie. Félicitations. Moi, j'ai bien aimé ça. Je trouve que ça a été une heure qui a passé vite en maudit. Et ça résume tellement bien les élections avec ce parti semi-sérieux aux candidats farfelus. Je vais dire de même, là, j'essaie d'être fin. Hey, je vais rappeler aux gens avant qu'on sorte des ondes. Je vais rappeler aux gens, demain soir, ça va être la soirée électorale, tout ce qui TV. Je vais l'annoncer parce que je suis super content qu'il ait accepté. Ça va être évidemment à ma compagnie. Frank va être là. Et notre ami Pierre des Manigances. Donc, on va starter ça vers 19h30 à peu près avant que tout soit déballé. Et puis, la formule va être très, très simple. On va être trois. On va jaser de la campagne, on va vider la question. Tu sais, moi, le 4, je parlerai plus de ça, fuck all. Là. Sauf que, puis on va regarder les résultats rentrés à mesure avec vous autres, puis on va commenter ça, puis ainsi de suite. Fait que, on devrait avoir bien du plaisir. Voilà. Ouais, on va essayer d'être le plus équitable possible, mais ça se peut qu'il y ait des facepalms incontrôlables. Et ça, c'est clair. Colin, préparez-vous des petits breuvages, parce que ça va être une grosse soirée. Mais écoute, je pense que c'est comme ça qu'on va clore cet épisode hors série numéro 2 du Magogris. C'est tough à avaler, c'était tough à regarder, mais on a tous passé au travers, on s'en félicite. Puis demain, ben, on va voir ce que ça a donné, on va voir quel pourcentage de la population aura choisi ce genre de parti-là. Bon, ben écoute, moi je suis prêt. Je sais pas si le monde sont prêts, mais moi je suis prêt à sortir le gaz puis le sport, je te le dis. Là. Bon, oui, à moi aussi, regarde, il est précis. Le gaz puis le sport. Le sport. OK, on se reparle demain, sinon le prochain épisode du Crachoir, évidemment, comme à l'habitude, dimanche prochain, qui sera un épisode régulier podcast en audio et en vidéo aussi, avec un audio plus complet. Ceux qui... je pense pas qu'il y en ait qui aient parti le podcast puis tombé sur la fin, mais quand même, allez voir le montage extraordinaire sur du Magogris qui va être disponible pas mal sur toutes nos plateformes, je pense, Facebook, tout ce qui est YouTube, ça va se promener en masse. Ça va partagez-le, puis peut-être vous allez contribuer à raisonner des gens qui pourraient faire des mauvais choix demain. Mais bon, c'est, je veux pas trop influencer plus que ça. De toute façon, je pense pas que je suis un influenceur à la hauteur d'Éric, mais je pense que demain, je vais peut-être avoir plus de fun que lui. Je pense que mes comparses aussi. Fait que on ferme ça là-dessus. Fait que je t'invite, Martin, à partir notre fameuse chanson sur laquelle on fait des niaiseries. À la semaine prochaine. À demain. Yeah! Oui, bien. Du chaos. Pis du sport. Il rêve de Catherine. Y'a pas du too big à soir parce qu'on s'en calisse. Too big et pilisé.
Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.